Il est long le trajet que l'on suit, que l'on fait, tout en pan de mémoire. J'ai appelé ça Appalaches parce que pour moi, c'était. Ça résumait le, ce que l'influence du lieu peut avoir sur nous. Discret, les racines à la cime, du noyau jusqu'au fruit, qu'il est long le trajet que l'on suit, que l'on fait. La source d'inspiration, la plus grande influence, c'est des Appalaches. Encore moins de frima qui sont. J'ai pas construit des chansons comme je faisais d'habitude, tu sais, avec couplet, refrain. Je suis allé beaucoup, beaucoup avec le texte, tu sais. C'est pas un chanteur, c'est un homme qui chante. C'est ça la différence. Je travaille dans cette usine-là, ça fait 20 ans que je suis là. Si ça ferme, je sais pas ce qu'on va devenir. Ça fait des mois qu'on nous dit rien. J'ai l'impression que les repères sont un peu différents. C'est un peu plus fort. Comme ça. Je suis content de ce qui a été fait. Je suis content des chansons. Il y a un côté imprévisible dans tout ça. Tu sais pas comment ils vont, comment en fait les gens vont réagir. Je marche dans mon rêve sur un chemin de pierre. Un vent mystérieux se lève. Je vois mon grand-père. Que fais-tu sur terre? Je lui ai demandé.